Now you can also see radio. Equinox. Mesdames, messieurs, bon après-midi, bienvenue à tous. La dépression est un trouble mental courant au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Elle constitue la première cause d'incapacité selon l'OMS. Plus de 300 millions de personnes sont confrontées à ce problème. Au Cameroun, la prévalence varie entre 5 à 10%. Dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide. La dépression, comprendre les causes, comment en sortir, c'est le thème de ce jour. Dans votre émission Quotidien Santé, notre invité, c'est le docteur Mouelle Pierre. Il est titulaire d'un PhD en physiologie humaine et chercheur sur les risques psychosociaux et le burn-out. Merci de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Quotidien Santé sur Equinox Multimédia. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, radio, télévision et même Internet. Alors ce jour, nous parlons de la dépression, comment en sortir avec notre invité en plateau, Dr Mouelle Pierre. Bon après-midi et merci d'être venu. Bon après-midi Nadine, bon après-midi à l'ensemble des téléspectateurs, des auditeurs, également des internautes. D'accord. C'est à moi de vous remercier de donner cette occasion de partager. Alors, la dépression, puisqu'on a l'occasion de vous avoir sur ce plateau, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la dépression est assez simplement présentée comme un trouble de l'humeur. Oui, ça va donc simplement se caractériser par une profonde tristesse, un désespoir. On aura affaire à une personne qui va quasiment manquer le désir de vivre, se replier sur soi-même avec bien évidemment une perte d'intérêt pour des choses que la personne faisait habituellement avec grand amour et avec bien évidemment un risque d'aller jusqu'aux idées suicidaires. Alors, si on comprend bien, il y a une perte d'amour pour ce qu'on faisait avant, mais de façon plus concrète et visible, quels sont les signes de la dépression? Oui, une personne qui est déprimée va avoir une humeur triste. Oui. Une humeur triste, on va remarquer également une dévalorisation de soi. La personne aura du mal à se sentir à sa place. Oui. La personne va se culpabiliser vis-à-vis de l'entourage. On va également noter un doute systématique et exagéré sur sa personne, sur tout ce qui est positif. On aura naturellement tendance à aller vers le négatif. On va avoir de ce fait des pensées récurrentes de ce qui est négatif, de mort, de suicide. Il y aura une baisse de l'appétit, une fatigue pour laquelle on ne se remet pas. On notera aussi des difficultés de concentration et la personne aura tendance à se replier sur elle-même, ne plus sortir de sa chambre, ne plus appeler des amis et surtout avoir l'impression que le ciel tombe sur soi, qu'on est aimé par personne et que définitivement on est appelé à mourir. Et on va également noter un changement en ce qui concerne le poids de la personne qui pourra soit prendre des kilos ou en perdre. Oui, donc ça c'est une des choses qu'on va remarquer avec également des troubles de sommeil et même globalement une diminution de la libido. Est-ce qu'une personne qui est en situation de colère aussi de façon récurrente, ces signes peuvent être, ce caractère précisément peut être introduit dans les signes? En situation de colère, comme signe, ça peut également arriver. Ça peut arriver, mais la colère, elle, ça ne pourrait en justifier. Et d'accord. Aussi, la colère en elle, ça ne pourrait en être la cause, puisqu'il faudra plutôt rechercher dans la cause de la colère. Alors, parlons justement des causes. Qu'est-ce qui peut bien amener une personne à sombrer dans la dépression? Oh oui, ce qui est habituellement connu, c'est des situations embarrassantes traversées par une personne. On a été affligé par un deuil, un départ et bien d'autres. Mais ce qu'on remarquera assez rapidement, c'est que deux personnes qui ont subi les mêmes situations traumatisantes ne vont pas réagir de la même manière. On aura une personne qui va déprimer quelqu'un d'autre et l'autre qui ne déprimera pas. Ceci va donc être lié à un déterminant génétique. En fait, il y a un facteur héréditaire
dans la dépression. Il est aujourd'hui prouvé qu'une personne qui a un parent, lorsqu'un parent a eu une crise dépressive, au moins une fois, les enfants directs, si je peux dire ainsi, ont un risque 2 à 4 fois de faire de la dépression, par exemple. Et on a aussi remarqué une fréquence relativement identique de dépression entre les vrais jumeaux ou les vraies jumelles. Et là, ça permet de comprendre donc, qu'il y a une composante génétique qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Donc, comme cause des situations que l'on va avoir à traverser, surmenage, solitude, événements difficiles, traumatisants. Mais à côté de cela, il y a un déterminant génétique qui n'est pas négligé. Alors, et toujours sur, là maintenant, je vais évoquer beaucoup plus le volet des facteurs. Est-ce qu'une personne qui ne se sent pas aimée, une déception amoureuse, ou alors une personne qui a du mal à s'insérer dans un environnement, peut-être socio-professionnel, qui n'est pas du coup valorisé, peut également être victime d'une dépression? Bien évidemment, si tout cela vient trouver un terrain de prédisposition, oui. Si la personne y est déjà prédisposée et qu'elle ne se donne pas suffisamment d'armes pour pouvoir y faire face, il pourrait donc arriver ce déclic qui amène la personne à croire qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas de valeur qu'on est ainsi traité et que tout ce qu'on mérite, bien évidemment, c'est d'être mis à l'écart et au mieux de laisser la terre. Et c'est en ce moment qu'on tombe dans la dépression parce qu'on a l'impression d'être seul au monde. On n'a personne autour de nous qui puisse nous soutenir et que, ok, même le peu qui puisse le faire, il n'y a pas suffisamment d'âme pour faire face à la déferlante, peut-être ce qu'on considère en fait comme étant en face de soi. Donc, ça peut bien arriver. Mais surtout quand il y a un terrain fertile à ça. Et comme je l'ai dit, c'est lié parfois à l'hérédité, qu'on a donc déjà des gènes, si on peut dire des gènes qui prédisposent à faire cela, peut-être parce que ça vient des parents ou peut-être des mutations particulières. Est-ce que vous, dans votre pratique quotidienne, vous avez déjà eu peut-être à recevoir un jeune homme ou une jeune femme qui vient se plaindre pour des dépressions en cas de déception amoureuse? Dépression en cas de déception, nous avons eu des situations, oui. Mais qui pouvaient plus se rapprocher des déprimes, puisque je suis pas clinicien, oui. Pour recevoir des patients, donc j'ai eu des personnes, et quand on parle de déprime ici, le plus souvent c'est un peu passager, ça dit au bout d'un certain temps, ça peut se régler, ça peut se résorber, c'est pas pathologique, oui. Parce qu'il faut faire clairement une différence entre la déprime même et la dépression. Justement. Oui, donc on peut avoir une déprime parce qu'on sort enterrer sa maman, sur 2 semaines, 3 semaines, on n'est pas dans son assiette, il y a des choses qui ne vont pas. On en a aussi remarqué parfois chez certaines femmes après l'accouchement, mais au bout d'un certain temps, ça se résorbe quasiment seul. Oui. Lorsqu'on a affaire à une dépression, on est presque obligé de rencontrer un spécialiste. Alors, dans cet état de mal-être permanent, est-ce que la personne victime, et même, ça rend même compte qu'elle souffre. Comment savoir, en fait, qu'on est en train de faire une dépression? Oui, pour soi-même, on devrait rapidement s'interroger du moment où on se rend compte qu'on ne fait plus des choses comme avant. Par exemple, je n'arrive plus à parler normalement comme avant. J'ai tendance à ralentir dans la manière de parler, la manière de marcher. Et qu'à côté de cela, j'ai comme un pressentiment que je ne suis aimé de personne. Je me rends compte que je n'ai plus besoin d'appeler des gens. J'ai tendance à être seul, à être à l'aise, seul dans mon coin. Du moment où il y a ce genre de choses, on devrait bien évidemment se dire qu'il y a certainement quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas évident parce qu'à ce moment-là, la personne estime qu'elle est bien dans sa peau. Oui, sauf que vous rendez compte que c'est un peu inhabituel parce qu'on aura par exemple une fatigue qui va s'installer sans arrêt, on va manquer de confiance en soi, on se sentira sans valeur et on va même être en train d'avoir l'impression qu'on est inférieur aux autres. Donc lorsque tout ceci se réunit chez vous, prenez le soin de ne plus rester tout seul, essayez d'en parler à votre entourage, c'est d'ailleurs ce qui a lieu de faire, vous essayez d'en parler à l'entourage, vous acceptez de l'aide. Lorsqu'on veut vous en apporter et lorsque vous sentez que juste avec les relations d'à côté ça ne donne pas, vous pouvez rencontrer un médecin, ça peut être simplement un médecin généraliste qui saura comment vous orienter selon l'intensité des symptômes, soit chez un psychologue, soit chez un psychiatre. Tout à l'heure on évoquera bien sûr la question du dépistage. Déjà,
au Cameroun concernant la prévalence de la dépression. Est-ce qu'on peut avoir la situation de ce côté, l'état des lieux? Oui, bon, déjà avec votre élément introductif, on serait autour de 5 à 10 %. Oui, mais à l'échelle mondiale, c'est légèrement au-delà. On parle de 13 %. Et cela peut se comprendre. Vous savez, chez nous, dans notre contexte, lorsqu'on a des problèmes, on a souvent la famille qui nous entoure. Vous avez remarqué, lorsqu'une personne a perdu son conjoint ou sa conjointe, il y a toujours une grande personne qui vient habiter à la maison pendant un moment. Et justement, c'est pour prévenir ce genre de situation. C'est vrai que parfois, le fait de rester là un mois, deux mois, c'est pas toujours suffisant. Selon certaines personnes, mais c'est ce qui permet de remonter. Et chez nous, nous avons cette tendance à raconter nos problèmes assez aisément. Je suppose que vous avez déjà été transporté, que ce soit par un taximan ou un conducteur de moto, avant de descendre, il vous a exposé tous ses problèmes. Justement. Il a pu ainsi se défaire évacuer. De certains, d'évacuer. Et puis, cela lui permet davantage d'être bien. Et c'est ce qui pourrait donc justifier cette différence de prévalence entre le monde entier et puis ce que nous avons au niveau du Cameroun. Alors, il faut également noter qu'on enregistre pas mal de ces derniers jours, ces dernières années, des suicides à répétition. Alors, si on comprend bien, ça peut être que plusieurs facteurs peuvent aussi justifier, mais déjà, lorsqu'on franchit le cap du suicide, cela voudrait peut-être dire que la personne atteint la zone rouge. Alors, quels sont les types de dépression? Oui, lorsqu'on essaye de classer les dépressions, il y en a qui vont parler d'abord d'une simple dépression qui est en cours de début et qui va être diagnostiquée parfois. Il y a un certain nombre d'échelles où, en tenant compte des signes, tel que élaboré par l'Organisation mondiale de la santé, en sachant que jusqu'à tel nombre de signes sur les 9, on peut parler de dépression. Mais maintenant, à côté de cela, il y a des formes sévères, puisqu'en fait, la forme dépressive initiale va se manifester sur la base des symptômes et qui va devoir s'étendre sur un certain temps. Et généralement, juste maximum quelques mois. Lorsqu'on va déjà 2 mois, par exemple, 2 ans, par exemple, on parle d'une dépression chronique. Oui. Donc, on a des cas de dépression chronique et on peut aussi avoir des dépressions que l'on qualifierait de dépressions réactionnelles, c'est-à-dire la dépression ne s'installe ou l'épisode de dépression ne s'installe que lorsqu'on a eu un événement malheureux, une situation malheureuse, et lorsque cela se passe, et ça va s'installer assez rapidement. Et on a aussi eu des cas de dépression du postpartum. C'est-à-dire pour des femmes qui ont accouché après l'accouchement, qu'une dépression s'installe et perdure d'ailleurs. C'est vrai que ça se confond souvent avec ce qu'on appelle le blue babies, mais là, avec le blue baby, ça se gère assez rapidement. C'est-à-dire le blue baby? Oui, si c'est des manifestations qui se rapprochent justement de la dépression, on aura tendance à tout relâcher, à tout abandonner quasiment, mais parfois au bout de 2 semaines, cela repart tout seul. Or, dans le cas de la dépression, cela perdure. Donc, on a cette dépression du postpartum. On peut aussi en trouver chez les adolescents. Vous remarquerez que l'enfant a tendance à se renfermer, se dévalorise, n'appelle plus ses amis, reste quasiment dans la chambre à longueur de journée. Là, ça doit pouvoir vous alerter. Alors, on va permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'appeler et de poser, bien sûr, leurs questions concernant la dépression en plateau, dont les numéros d'accès sont affichés au bas du écran, le 655 51 11 11, ou alors le 652 02 50 50 et le 242 64 29 80, les codes d'accès pour participer à cette émission. Alors, docteur Moelleux, lorsque ces symptômes s'installent, alors, que faut-il faire? Quel examen indiquer en ce moment et vers qui se tourner? Oui, on va se tourner vers un médecin, comme je l'ai dit tantôt. Ça peut être un médecin généraliste qui va vous orienter vers un psychologue ou un psychiatre. Et celui-là pourra, le psychiatre, sur la base de l'interrogatoire, tel que ça se fait, tout comme le psychologue pourra diagnostiquer. Et il pourrait arriver que l'on ait besoin de faire recours à l'imagerie. Oui, par résonance magnétique et en procédant à l'imagerie dans la radio, comme on dit souvent au quartier, ça permettra de détecter au niveau de certaines parties du cerveau ce qui pourrait bien évidemment en être la cause. D'accord. Alors merci docteur Moelleux pour toutes ces précisions. Alors, la dépression, comment sortir de cette prison? Comment sortir de cela une fois que l'on est concerné? Sachant que à côté de l'aspect
thérapeutique liée aux spécialistes qu'on en parle. Oui. Il y a un autre aspect qui est fort important, c'est celui qui est de traitement médicamenteux. Vous avez souvent entendu parler des antidépresseurs, et ça, c'est le psychiatre qui va devoir en prescrire. Mais maintenant, avant d'arriver au niveau de l'hôpital, il faudra que l'on sache relativiser les choses, qu'on sache relativiser les choses et que l'on puisse aussi assez régulièrement, en fait, essayer à son niveau de vérifier si autour de soi on a eu des épisodes de dépression pour connaître si on est prédisposé et prendre des mesures. Je parlais de relativiser des choses, on pourrait aller également jusqu'à prioriser par exemple les activités physiques et sportives qui permettront davantage à notre organisme d'être réceptif à des situations stressantes, puisque comme vous le savez, c'est après un stress assez prolongé que l'on va arriver à la dépression, et le plus souvent passant par une étape intermédiaire que l'on appelle le burn-out, et la dépression vient donc au décours de cet ensemble de phénomènes. Alors, comment savoir en fait qu'on est donc guéri lorsqu'on a suivi tout ce procédé, que ce soit chez le médecin généraliste, le psychologue ou alors le psychiatre? Oui, il faudrait déjà réaliser que la dépression est une maladie qui peut se guérir. Mais il faut que cela se vienne assez progressivement. Oui. Ah oui, ça vient progressivement. Et pour s'en assurer, il faudrait simplement que vous rendiez compte que vous commencez à avoir un amour pour ce que vous aimiez par le passé. Vous avez un désir désormais de sortir, de vous faire belle ou beau, mais également l'envie de renouer avec le travail, de ne quasiment plus dépendre des gens, ou du moins de ne plus avoir cette scission qui se créait avec les autres, et surtout lorsque les symptômes somatiques, les symptômes tels qu'on en a parlé, lorsque ça commence à disparaître, on est moins triste, on est moins abattu, on a plus d'intérêt pour un certain nombre de choses, la fatigue disparaît progressivement, on a davantage de valorisation de soi, le sommeil qui était parti est en train de revenir progressivement, et ainsi de suite, et que certains troubles, la difficulté de concentration, ça aussi c'est en train d'être réglé, là on saura qu'on est en train de se remettre de sa dépression. Alors, lorsque une personne externe constate tous ces signes chez une personne, chez un proche, alors qu'est-ce qu'il devrait, comment devrait-il se comporter à ce moment? Oui, la meilleure chose à faire en ce moment, si la situation n'est pas déjà empirée, c'est d'attirer l'attention. J'avoue qu'il y a presque toujours le déni, du moins pour certaines personnes. Vous attirez l'attention, et le meilleur secours en ce moment sera de rapprocher la personne d'un spécialiste. Ouais. Oui. Alors chez l'adolescent, chez l'enfant, est-ce que même le nouveau-né, vous avez évoqué quelques signes là, mais est-ce que c'est possible d'avoir des cas de dépression qui peuvent conduire aussi au suicide? Chez le nouveau-né, c'est vrai que cela fait l'objet de la littérature et pas avec de véritables précisions. Vous remarquerez qu'on évite de laisser pleurer longtemps le nouveau-né, de peur que pour certains, il se sente abandonné. Et lorsque l'enfant se sent abandonné, il peut arriver qu'il s'abandonne aussi, abandonnant quasiment la vie. C'est vrai que le lien n'est pas véritablement établi, mais c'est des situations qui sont souvent rencontrées, et il est un peu difficile de véritablement qualifier cela de dépression. Et chez l'adolescent un peu plus âgé notamment? Oui, chez l'adolescent, il s'agit de l'observer et remarquer ce qu'il a comme changement, et puis si cela est là, vous essayez d'attirer son attention. C'est vrai que parfois ça vient trouver une période de puberté où les choses n'étaient pas déjà faciles, et que cela vienne s'y ajouter, et autant que faire se peut, vous le rapprocher d'un spécialiste, d'un professionnel de la santé. Alors, lorsqu'on constate tous ces signes que vous avez décrits tout à l'heure concernant la dépression, parfois on a tendance un peu à s'emmêler les pinceaux lorsqu'on veut également parler du stress, de l'anxiété. Alors, quelle est la différence? Oh oui, il y a une différence à faire. Le stress, déjà, est connu comme cet état dans lequel notre organisme n'arrive plus à faire face à des contraintes extérieures et essaye de se défendre concrètement. Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre entre nos ressources personnelles et les sollicitations extérieures de notre corps, c'est ça le stress. Et ceci, donc, peut être dû à la situation de travail et bien d'autres. Et comme je l'ai dit, c'est qu'on est donc exposé à un stress prolongé, que ça peut arriver à un autre état qu'on appelle le burn-out.
Et il s'agit ici d'un trouble ou bien d'un épuisement, plus précisément, il s'agit d'un épuisement physique, émotionnel et mental, résultant donc d'un investissement prolongé et aussi de cette exposition au stress pendant une très longue durée. Or, à côté de ça, l'autre élément qui est l'anxiété, c'est quasiment la peur de l'inconnu. Si on peut dire comme ça, en fait, oui. C'est lorsqu'on a la crainte d'un danger qui peut être connu ou pas. On est face à une situation qui est en train d'arriver. On s'apprête à se marier, à changer de ville, à avoir un grand changement en termes de boulot. Il y a de l'anxiété. Donc ici, on notera un certain nombre de différences. Par exemple, en ce qui concerne la tristesse et les idées noires, on en notera dans la dépression, alors que ce n'est pas le cas dans le burn-out et l'anxiété. On se rendra compte, par exemple, que la perte d'intérêt, la fatigue, ça va s'observer dans la dépression, certes, oui. Mais aussi dans le burn-out, mais rarement dans l'anxiété. On va avoir d'autres éléments comme le changement d'appétit qui est presque toujours le cas dans le cas de la dépression et rarement dans le cas de l'anxiété et du burn-out. On va avoir le trouble de sommeil. C'est vrai que là, c'est pareil pour les trois cas, tout comme les douleurs, certaines douleurs aussi. Mais la difficulté de concentration va aussi exister dans la dépression. C'est vrai que de temps en temps, alors que totalement dans la dépression, l'anxiété, on aura des difficultés de concentration. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui puissent être évoqués ici. D'accord. Et ce que nous n'avons peut-être pas évoqué, c'est que les femmes sont plus touchées que les hommes. Pourquoi les femmes, justement, pourquoi les femmes sont plus touchées par la dépression que les hommes? Donc on a remarqué qu'une femme sur 5 pourra faire la dépression alors qu'un homme sur 10 pourra en faire. Oui, globalement dans la vie. Chez la femme, c'est entre autres lié au fait qu'elle soit plus exposée aussi. Situation de gestion de la famille, des situations stressantes, pour certaines circonstances, sur le plan familial. Okay? Oui. Elle est celle qui est plus exposée. Mais à côté de cela, nous savons que le stress et tout ça, il y a un aspect hormonal là-dedans et qui peut s'expliquer. Cela s'explique ici par les changements qu'on a chez la femme aussi bien pendant la puberté, pendant les périodes menstruelles, pendant la ménopause, qui touchent les hormones et qui sont de nature aussi à toucher l'humeur de la femme. Oui, et quelles peuvent en être les conséquences de la dépression? Les conséquences de la dépression, la plus grande, ça peut aller jusqu'au suicide. Mais à côté de ça, on peut être dans un état dépressif pendant très longtemps et on n'aura plus maîtrise de sa vie. On n'en aura plus. On est obligé de vivre avec de l'aide. Et si on a une famille qu'on était déjà en train de constituer, ça veut dire que cette famille est quasiment à l'abandon. D'accord. Il y a également les performances professionnelles qui prennent le coup. Bien évidemment, on aura abandonné quasiment le boulot. Alors, pour sortir, alors comment donc prévenir, lutter contre la dépression? Oui, pour lutter contre la dépression, il convient chacun à son niveau à se mettre dans des situations peu stressantes, à trouver du confort même dans ce qui est inconfortable, mais aussi apprendre à lâcher prise parfois. Oui. On n'est pas toujours obligé d'être là, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit en relation amoureuse, quand ça ne va pas. Quand ça ne va vraiment pas, il faut apprendre à quitter. Bas. D'accord. Merci, docteur Mouet-Lepierre, titulaire d'un PhD en physiologie humaine, chercheur sur les risques psychosociaux et les burn-out, de même également enseignant. Merci d'être venu cet après-midi. Je vous en prie. Merci bien. D'accord. Nous avons également merci à notre réalisateur Raphaël Dipanda. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro de Quotidien Santé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.